il faisait trop chaud pour travailler. Pulque au citron pour se rafraîchir sans se fatiguer. Oui, il fait chaud, il fait très très chaud aujourd'hui à Rome, et il fait tellement chaud d'ailleurs que j'en profite pour boire une petite bière à votre santé. Aujourd'hui, pause donc dans cette série sur le vin, et je répondrai aujourd'hui à la question de Soraya. Soraya qui me demande pourquoi les grands chefs, donc j'imagine qu'elle parle pas des chefs d'orchestre, mais des chefs en cuisine, vous savez, dans ces restaurants et ces hôtels étoilés, pourquoi les grands chefs sont-ils majoritairement des hommes alors que la cuisine est probablement, enfin, arbitrairement ou pas d'ailleurs, en tout cas historiquement, est associée à la féminité. On imagine plus volontiers la femme ou les femmes en cuisine que les hommes, pourtant les grands chefs se trouvent être des hommes. Alors, à propos de cuisine, je vous donnerai, puisque vous allez voir que je vais commencer par vous, encore une fois, pas vous gifler, mais enfin vous choquer un petit peu en vous rappelant qu'en réalité, ce qui était vrai à l'époque de nos aïeux l'est plus beaucoup, et que les filles cuisinent désormais, même la femme du quotidien cuisine désormais beaucoup moins bien qu'un homme. Hein, je cuisine beaucoup, beaucoup mieux que la plupart de mes copines, et l'ensemble des hommes que je connais cuisinent mieux que les filles qu'ils datent, qu'ils rencardent. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo la recette d'une pâte, je dis une pâte et pas des pâtes, car en Italie on dit une pâte, on dit la pasta, que j'ai découverte à Syracuse où j'étais jusqu'à hier, dont je viens de rentrer. C'est les pâtes à la Syracusana, à la Syracusaine, on dirait en français. Bref, ça c'est pour la fin de la vidéo. Alors, avant cela et avant de s'occuper de Soraya, mais Soraya, si vous la voyez, I-E-Z, a un très joli visage en amande, avec une peau un petit peu comme moi d'ailleurs, enfin, elle doit être métissée ou d'Afrique du Nord, mais une peau comme moi, mais un petit peu plus noisette. Moi je suis plus café au lait. Les yeux, comment elle a les yeux? Elle a les yeux en amande. Elle a le menton comme ça, pointu comme un manga. Les yeux en amande, noisette. Et elle a une très jolie petite poitrine qui doit être du B en pomme. Voilà. Ben, si vous aussi, vous avez des questions sur les relations hommes-femmes, et a fortiori si vous avez un petit B en pomme, il se peut qu'elle passe en priorité, car évidemment ici ce n'est pas une démocratie, c'est une dictature. Hein. Donc des petits éléments de contexte, le mois de mai, à part d'être le joli petit mois de mai, est également connu comme étant l'anniversaire du site Mad Consulting. Mad Consulting, c'est le répertoire complet, la bibliothèque complète de tous mes séminaires sur Internet en téléchargement immédiat. Pour l'anniversaire du site, vous aurez donc des offres. Nono, le petit robot, va faire péter les compteurs des remises à la fin du mois. Et avant cela, pour fêter la vente du MacBook, qui s'est très bien passé, je vous remercie, vous avez été plus de presque 150, 141 je crois, à poser une enchère. Pour fêter la vente du MacBook, j'ai décidé de reverser une partie du bénéfice de la vente à une association caritative et une partie à vous sous la forme de 4 chèques cadeaux de 100 euros valables sur Amazon. Donc 4 chèques cadeaux de 100 euros, un par semaine à venir. Vous verrez les noms des gagnants s'afficher en bas de votre écran. Et pour pouvoir gagner ce chèque cadeau à valoir sur ce que vous voulez sur Amazon, une valeur de 100 euros, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter. Le tirage au sort sera fait parmi les inscrits à la newsletter. Le lien est ci-dessous. Voilà. Ah, alors, une dernière petite chose. Je ne peux commencer cette vidéo sans remercier l'un d'entre vous de m'avoir offert. Alors, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais en tout cas, j'avais fait restaurer ma platine cassette. Et donc, si vous aviez des collègues, si vous étiez mélomane et que vous aviez des collections intéressantes des cassettes, j'étais preneur. Alors, l'un ou l'une d'entre vous, c'est peut-être Soraya, on ne sait pas. Je lui demanderai si elle passe dans le coin. M'a offert donc une cassette neuve en provenance des UK, d'Angleterre. Regardez, je vous la montre là. Oh, décidément, c'est chiant de faire les zooms tout seul. J'ai plus ma cougar, en plus, j'ai plus Evelyne pour m'aider à la technique. Voilà. Donc, l'un ou l'une d'entre vous m'a offert Rare Birds, donc oiseaux rares, de Jonathan Wilson. J'eus aimé qu'elle déclina ou qu'il déclina son identité, car je ne sais qui remercier. Donc, merci, cher inconnu, cher anonyme. Alors, Soraya, pourquoi les chefs cuisiniers, j'imagine, sont-ils des hommes? Alors, d'abord, je me porte en faux.
contre l'hypothèse sous-jacente de ta proposition, qui serait que la cuisine serait plus généralement, enfin, le goût pour la cuisine, la confection des aliments serait plus largement partagé chez les femmes, hein, parce que si tu fais semblant de t'étonner que ce soit les hommes les plus fréquemment récompensés dans les étoiles et Michelin, c'est parce que tu sous-entends que les femmes seraient les plus nombreuses à s'intéresser à ce noble art. En réalité, d'abord, je dément. La réalité pragmatique est qu'il y a beaucoup plus d'hommes de notre génération. Enfin, je vois la photo de Soraya, je pense qu'elle a entre 34 et 37, 38 ans. Il y a beaucoup plus d'hommes de notre génération qui savent cuisiner que de femmes. Hein. C'est-à-dire qu'aucune, quasiment sur les 10 dernières filles que j'ai rencontrées, quasiment aucune ne me battait en cuisine. J'ai beau réfléchir, non, quasiment aucune. Donc ce sont en fait un peu des images d'Épinal, un petit peu des souvenirs comme ça. De générations passées, aujourd'hui, les filles ne savent plus cuisiner. Alors on pourrait anthropologiquement tenter d'expliquer pourquoi, mais ce n'est pas le sujet. Ensuite, pourquoi est-ce que les grands chefs sont des hommes? Eh bien tout simplement parce que l'aptitude à réaliser le plat est finalement la dernière discrimination, c'est vraiment la dernière chose sur laquelle ils sont discriminés. Un grand chef ne devient pas, ne reçoit pas des prix et de la clientèle et de la visibilité et de l'influence parce qu'il est capable lui-même de répéter à volonté un plat. Il est capable, il lui est demandé de gérer une équipe qu'on appelle une brigade, c'est-à-dire de faire un management viril, concret, efficace, quotidien, et qui passe par la confrontation directe et par le fait. C'est un peu violent, une brigade de cuisine. Une brigade d'étoilés, je vais vous en montrer quelques images. Si vous n'y avez jamais assisté, c'est quelque chose qui peut choquer à première vue. Vous qui me trouvez choquant et giflant et froid et acerbe quand je fais un phone coaching, parce que simplement j'essaie de ne pas me laisser déborder et dégouliner d'empathie et d'émotion, vous seriez très choqué de voir comment se passe un vrai job. Une brigade en cuisine. Donc premièrement parce que voilà, il y a cette combativité et cette violence née de la contrainte de temps et du fait qu'il y a une équipe à bouger dans un espace clos. Ensuite, c'est un entrepreneur avant tout. Un restaurant, de l'hôtellerie, c'est de l'entrepreneuriat appliqué avec de la communication, avec des frais fixes, avec de la comptabilité, avec une stratégie à long terme, avec une clientèle à segmenter, à fidéliser. Et en dernière instance, la créativité de proposer un produit, une offre, une expérience, un système passant, dirait Baricot, que les autres ne proposent pas. Et on voit bien, avec le modulo du management, qui est à la limite ce qui est le plus à la portée de F, on voit bien que ce sont les catégories dans lesquelles, enfin les catégories, c'est un terme philosophique un peu trop à la mode, on va dire, ce sont les repères. Ce sont créativité inventive et qualité et courage entrepreneurial. Ce sont les deux domaines pour lesquels, dans lesquels les femmes en général font le preuve du moins de dilection. Voilà. Il y a moins de femmes entrepreneurs et il y a moins de femmes dans les compositeurs musicaux, dans les inventeurs. On rappellera que Concours Lépine, c'est plus de 90, 95 ou 96% d'hommes sur les 100 dernières, sur le dernier siècle écoulé. Si comme Soraya, tu as des questions comme ça peut être l'amitié homme-femme, ça peut être des inégalités dans la représentativité sociale des individus, ça peut être MeToo, le festival de Cannes. Si tu as des questions, des choses qui te Si tu ne trouves pas les réponses dans l'opinion commune, dans ce qu'on appelle la doxa, aux questions que tu te poses sur les relations hommes-femmes, le meilleur endroit pour me les poser, c'est la page, une des deux pages Facebook, Stéphane Edouard ou Homme d'influence, encore une fois, le lien est ci-dessous, et je picorerai dans vos questions de quoi rassasier les plus curieux d'entre vous. Et alors, la recette de pâtes que je vous ai promise, je l'ai d'ailleurs tenté directement en rentrant de Syracuse hier soir, les pâtes à la siracusana. Donc, comme d'habitude en Italie, vous faites cuire les pâtes à part d'un côté et vous les sortez à environ deux tiers, trois quarts de la cuisson pour finir la cuisson des pâtes dans la sauce. Et cette sauce de pâtes à la siracusaine est un pesto à base de tomates séchées. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un pesto, eh bien, vous achetez ou vous empruntez un mixeur. Dans ce mixeur, vous jetez une poignée de tomates séchées, vous jetez une poignée de pignons, une grosse poignée de tomates, une petite poignée de pignons, vous jetez une poignée moyenne de pistaches
ou d'amande. Vous couvrez, vous baignez le tout d'huile d'olive. Alors, pas à ras bord, évidemment, vous dosez environ. Il faut que ça ait un côté... quand vous commencez à mixer, il faut que ça soit pas huileux, mais il faut que l'huile s'amalgame au pesto et que ça fasse quelque chose d'assez moelleux. Moelleux, pas huileux. Quand vous avez bien mixé, quand c'est bien finement haché, vous ajoutez quelques raisins secs entiers qui vont donc s'imbiber du jus de l'huile et gonfler. Vous rajoutez quelques pignons parce que vous ne voulez pas que tout soit broyé. Pendant que vous faites ce pesto, vous faites griller très légèrement de la mie de pain écrasée ou de la croûte simplement du pain que vous avez broyé, ou si vous avez la flemme, vous achetez de la mie de pain déjà séchée, déjà grillée en sachet au supermarché. Vous l'ajoutez à ce pesto, comme ça elle va boire, si besoin, l'excès d'huile et donner un petit côté croquant. Et à 2/3 ou 3/4 de la cuisson des pâtes, vous les sortez de l'eau, vous les jetez dans la poêle où vous aurez légèrement fait réchauffer votre pesto. Vous terminez la cuisson en mélangeant ainsi et vous rajoutez à la dernière minute, comme ça, là c'est important ce geste-là avec les trois doigts, le petit trépied, vous rajoutez comme ça votre dernier reste de mie de pain légèrement grillé. À la vôtre !